Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vous montre comment j'ai installé cette perruque closure qui me vient de chez Human Hairs Market ou Hairs Market 1 des 2. En gros c'est un site, ils ont plein de perruques, j'ai déjà travaillé avec eux plusieurs fois. J'aime toujours leur site parce qu'ils ont beaucoup de diversité, t'as beaucoup de choix. Donc du coup tu peux vraiment trouver ta perruque en fait. Là aujourd'hui j'ai choisi pour une perruque de cette façon, vous savez, vous l'avez vu sur Insta, YouTube, partout. C'est vraiment une perruque qui est dans la mode. N'empêche, j'ai pris une closure parce que j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de vidéos où je montre des closures et tout. Du coup, j'ai demandé beaucoup de closures parce que je sais que les frontales, pas tout le monde peut se la payer parce qu'elles commencent à être chères, ça se comprend hein, quand même. Et je vous montre qu'en fait, avec une closure, tu peux avoir à peu près le même résultat. En plus, voilà, c'est beau quoi, et c'est plus moins cher. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est une closure de 4x4. La perruque elle est venue comme ça. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai lavé ma perruque avec le shampoing mauve que je vous montre à côté d'ici. Je sais pas c'est quoi le nom mais je vous montrerai à côté à quoi elle ressemble. Donc je vous ai dit la perruque elle est venue comme ça, je l'ai lavé avec le shampoing mauve. C'est une 22 pouces et ce que j'aime bien avec cette perruque c'est qu'il y a des layers en fait. Je sais pas si vous voyez mais genre c'est pas genre 22 pouces, genre ici c'est un peu plus court que derrière et ça que j'aime bien, ça donne un peu l'effet tu vois. Donc voilà, à part ça, j'ai un peu plug la perruque, mais pas beaucoup parce qu'elle était déjà plug. Donc du coup, j'ai pas fait beaucoup de choses à cette perruque parce que... Franchement, si vous cherchez une perruque comme ça, allez en barre d'infos parce que j'aime trop. Vous savez que j'aime pas trop papoter dans mes intros. Je vous laisse regarder la vidéo. Bisous. Donc j'ai mis mes cheveux dans un petit bonnet. Donc voici ma perruque. Je l'ai lavé avec le shampoing mauve comme je vous ai dit. Voilà, c'est en closure comme vous voyez, il y a des crèmes et tout. Donc ma perruque, je vais l'appliquer. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus mis de perruque closure. Donc... Ok. Bon, je vais me casser la tête. Donc, j'ai pris mon gel olive oil. Ensuite, je prends mon got to be. Je prends mon elastic band. Donc voilà, j'ai mis l'elastic band. En fait ça, ça va permettre que la lace elle se melt dans ta peau. J'ai laissé melt la lace dans ma peau. Comme ça j'ai pas besoin de faire le sèche-cheveux et tout flemme. Donc là en fait je vais aplatir la perruque, je vais la lisser. Ensuite on va faire le make-up. Ensuite on va retourner chez la lace parce que voilà. Donc j'ai pris ma mousse olive oil. Elle est presque finie, je tellement je la saigne. Elle est trop bien. Mettre au-dessus ma perruque. J'ai pris mon hot comb et je vais hot comb la perruque. C'est ça que j'aime bien avec les closures parce que t'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu te casses pas la tête quoi. Et moi j'en ai marre de me casser la tête avec les perruques, surtout avec les cheveux. Franchement, dire qu'avant je mettais mes perruques sans hot comb, je suis une folle. Ça change trop la vie, ça, je vous jure. D'ailleurs, si vous entendez quelque chose, désolé, parce qu'ils aiment trop faire des travaux à côté de chez moi, je sais pas ce qu'ils font, mais ils aiment trop faire des travaux. Donc si vous entendez quelque chose, désolé, parce que ma fenêtre, elle est juste là, et ma chambre, elle est juste en face, donc désolé. Mais bon, bref, là, je vais lisser les cheveux, je vais accélérer cette partie, ensuite, on va faire le make-up. Voilà, j'ai lissé les cheveux. Là, je vais faire mon make-up. Mais le bas, c'est que de faire un make-up simple,
Donc je vais accélérer la partie. Désolée que dans cette vidéo j'ai pas beaucoup parlé parce que les travaux m'énervent. J'ai pas envie de vous faire chier avec les bruits. Donc on se retrouve dans le outro parce que je vais vite me maquiller. J'ai fini les gars, franchement j'aime trop comment mes cheveux sont sortis, j'aime trop mon make-up. Désolée si j'ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, en plus là je dois sortir donc du coup j'étais aussi pressée. Donc voilà, ces cheveux franchement j'ai rien à dire les gars, j'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire. J'aime trop la qualité, j'aime trop la longueur, j'aime trop comment ils ont fait les colorations et tout, ils ont fait la coloration. J'aime trop genre... Aussi j'aime trop la closure, là vous voyez même pas ma lace wish, vous voyez même pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez aussi cette perruque, n'oubliez pas de regarder en barre d'infos. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine, bisous.